grand plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous afin de vous accueillir au nom de la présidente du Conseil général, Madame Danielle Schuffield, dans les salons de l'Hôtel du département, à l'occasion de la remise de ce prix du concours de la francophonie Georges Carteron, qui fête son 10e anniversaire. Je voudrais tout d'abord saluer tous les membres et bénévoles de l'Association des Amis de l'Afrique francophone. Vous, dont l'action dynamique s'inscrit dans une démarche d'ouverture sur le monde. Vous avez créé ce prix et ce concours pour donner la parole à des jeunes élèves, ici présents d'ailleurs, et leur permettre de partager leur vision et leur perception de la francophonie. C'est là une excellente idée. Je tiens surtout à saluer tout particulièrement la présidente de la MAF, Madame Delphine Baya, qui incarne par son dévouement de chaque instant les valeurs humanistes auxquelles nous croyons et pour lesquelles nous agissons au quotidien. Merci, madame. Votre engagement, madame, à soutenir la cause de la francophonie et de la coopération décentralisée rejoint les objectifs et les projets que le département du Rhône porte en ce domaine. En effet, notre collectivité mène dans le cadre de sa mission d'action internationale et humanitaire des actions de coopération décentralisée et entretient les relations internationales qu'il a développées au fil des temps. Je tiens à rappeler que le département du Rhône apporte notamment son soutien aux actions de promotion de la francophonie à des associations engagées dans ce domaine. En outre, avec l'Institut pour la promotion de la francophonie et de la mondialisation IFRAMONDE Lyon 3, le département porte le réseau international des chaires sans langue. L'Afrique est le continent où se trouve le plus grand nombre de locuteurs du français, puisqu'on considère qu'il représente environ 50% des francophones du monde. Et alors, je pense que selon une estimation d'ici 2050, je dis ça pour les jeunes bien sûr, les Africains pourraient d'ailleurs représenter 85% de l'ensemble des francophones de la planète. Ceux que nous pouvons légitimement appeler les pères fondateurs de la francophonie ne sont pas nés en France. Léopold Sédar Senghor était sénégalais, Amani Diori, nigérien, Habib Bourguiba, tunisien, et Norodom Sihanouk, cambodgien. Ces quatre hommes ont été les promoteurs actifs d'un concept que l'on peut définir par le terme de communauté organique francophone. Léopold Sédar Senghor, le tout premier, a d'ailleurs exposé son projet de communauté spirituelle de nation qui utilise la langue française, que ces dernières soient la langue nationale, la langue officielle ou bien la langue d'usage au chef d'État africain réuni en juin 1966 à Madagascar. Quel est le rôle de la francophonie au XXIe siècle? Depuis l'apparition de ce concept qui nous est cher, il est clair que ce rôle a considérablement évolué. La francophonie n'est pas qu'un exemple de peuple parlant français. La francophonie peut être aussi une réponse à ces différents risques et défis nés de la mondialisation que sont le repli et la confrontation identitaire, le développement durable et la pauvreté. La francophonie rassemble certes des États et des gouvernements qui ont en commun la langue française, mais c'est également une communauté humaine au sein de laquelle la langue sert de lien, le point commun entre des êtres qui, semblables ou infiniment différents par leur mode de vie, leur histoire ou leur culture, se retrouvent dans une identité à la fois individuelle et collective. À l'heure de la mondialisation, on évoque souvent la menace d'une domination culturelle. Face à de tels risques, il nous appartient de relever le défi du pluralisme, qui a toujours été une source féconde d'inspiration et de progrès pour l'humanité. J'ai la conviction, je sais que vous la partagez, car votre action le dit haut et fort, madame, que notre amour de la langue et de la culture française va de pair avec notre attachement à la diversité culturelle.
Mesdames et messieurs, à l'occasion de ces premiers travaux de Georges Clapeyron, je viens féliciter encore très chaleureusement les lauréats et je salue leur travail ainsi que l'engagement de la MAF et de tous ceux qui les ont accompagnés et encouragés dans cette aventure. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jeannot. Nous allons donner la parole à Madame Sophia Boulabouche, qui est la chargée de communication des Amis de l'Afrique francophone. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour les 10e édition de la francophonie, du concours de la francophonie. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce concours. Alors, tout d'abord, l'idée de créer un concours de la francophonie à Lyon a été possible grâce à Madame Daya, qui est présidente de la MAF, mais aussi professeure d'histoire et de français. Ce concours a plusieurs objectifs. Tout d'abord, promouvoir la francophonie, permettre aux élèves de s'exprimer à l'écrit et à l'oral, mais aussi une volonté de mettre en valeur les différences culturelles et d'en faire une richesse. Aujourd'hui, la francophonie est présente partout dans le monde. C'est à chacun d'entre nous de continuer à la faire vivre. Merci et bonne soirée. Delphine, merci. Je voudrais remercier les professeurs, les élèves et toutes les autorités qui sont ici présentes et qui participent à ce concours. Juste un mot, Delphine m'a demandé de rappeler la mémoire de Georges Clapeyron, que j'ai bien connu. J'ai eu ce privilège. Georges aurait apprécié cette citation de Céline. Il l'a malheureusement réalisé. La plupart des gens ne meurent qu'au dernier moment. D'autres commencent et s'y prennent 20 ans d'avance et parfois davantage. Georges Clapeyron, à 48 ans, lui, il est mort au dernier moment. Et comme il le disait lui-même, il avait bien profité de la vie. Georges, c'était aussi un écrivain, un féru de littérature. Il aimait Mallarmé, il aimait Saint-Antonio, il aimait aussi Céline qu'il connaissait sur le boulet noir. C'était un homme de conviction qui avait des engagements politiques très forts, très marqués, mais qu'il n'avait jamais renié. Il était droit dans ses bottes, fier de ses convictions, qu'il assumait totalement, même si elles allaient dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, totalement à contre-courant. Mais c'était sa force de caractère également, derrière la timidité qui cachait tout ça. J'ai trouvé une nouvelle citation de Céline, je pense que ça lui aurait fait évidemment plaisir, parce qu'il la mise aussi en pratique. Il aurait pu dire à la place de Céline, voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination, tout le reste n'est que déception et que fatigue. Voilà, merci. Et merci pour votre service. Je donne la parole à Justine, élève de 6e B. Bonjour, nous sommes la classe de 6e B du collège. Nous étudions deux langues vivantes, l'anglais et l'italien. Nous sommes 21 élèves. Le professeur principal est Madame Léger, professeur d'italien. Le collège a été ouvert en 1877. Nous tenons à remercier Madame Paya de nous avoir fait participer à ce concours et aux jurys qui nous ont écoutés. Merci. Bonjour, je vais vous présenter la revue de presse. La revue de presse est un atelier qui se passe le vendredi entre midi et 2. Il est organisé par Madame Baya. Elle nous donne des journaux tous les jours. Le travail consiste à chercher dans les journaux les articles qui nous interpellent. Bonjour, je vais vous présenter le club BD. Il s'agit d'un club qui se pratique tous les lundis et jeudis, de 13h à 13h30. Madame Baya, votre professeure de français, nous aide pour réaliser la BD sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, on va donner la parole à Tiffaine, qui va nous parler de son amour pour la France. Merci. Bonjour. Oh, ma France, laisse-moi t'exprimer haut et fort mon amour. Je t'aime. Guide-moi et dis-moi ce que je dois faire pour toi. Je t'aime. Toi, ma chère France. Ma France à moi. J'ai tant besoin de toi pour m'éclairer, pour me murmurer ce que tu attends de moi. Je reste une sentinelle, attentive à ta respiration. Souffle de ma vie, je suis à toi. Lorsque je m'endors, mes pensées sont tournées vers toi. Dans mon sommeil, tu es là, me protégeant. Je respire en pensant à toi. Je contemple ton drapeau tricolore. Je me remémore tes faits d'armes, quelques bribes
de ta constitution de la République et de ton histoire viennent se mêler à mes pensées. Elles sont pour moi comme une berceuse et m'aident à m'endormir en toute quiétude. À mon réveil, je pense comment faire pour te prendre, pour prendre soin de toi. Merci. Mesdames, Messieurs, Messieurs les députés, Messieurs les élus, chers amis, je suis très ému de parler devant cette assemblée. Et je voudrais dire en quelques mots l'aventure que nous avons vécue grâce au dynamisme de Delphine Baya qui, chaque fois qu'elle passe dans un établissement, ranime le feu de la francophonie, l'amour de la France et du français. Et franchement, pour un chef d'établissement, c'est vraiment un atout considérable. Alors, j'ai fait un petit tour des différents établissements, hein, voyant tous les établissements qui ont participé à cette 10e édition du Concours de la francophonie, on se rend compte que beaucoup d'établissements sont représentés, aussi bien d'établissements de l'enseignement public que d'établissements de l'enseignement privé. Je vois donc, on a le collège François Brossette de Cours-la-Ville, le collège Jean Charcot, Lyon 5e, le collège Jean-Claude Ruet de Villiers-Morbon, le collège Jeanne d'Arc des Signes. Vous avez entendu tout à l'heure les représentants des élèves. Le collège Jeanne d'Arc a été cette année très très bien représenté puisque c'était le lieu où enseignait Mme Baya cette année. Le collège Saint-Marc de Lyon 5e, le collège Aimé Césaire de Vaux-en-Velin, le lycée Don Bosco bien sûr, le lycée Jeanne Dufro, le lycée Orsay dont je salue la collègue Mme Pagnon qui nous a rejoint aussi. Merci à tous. Bonsoir à tous. Nous avons remercié beaucoup de monde. Moi, je voudrais spécialement remercier tous les candidats et, pour leur courage, parce que c'est vrai que souvent, on est pris par le travail scolaire, les leçons à prendre, les devoirs à rendre, les examens qui vont arriver. Et là, ils donnent du temps pour une passion, certes, mais aussi pour découvrir, laisser découvrir une petite part d'eux-mêmes, se découvrir, et ça aussi, je trouve que c'est très courageux à un âge où souvent on a envie de cacher ses émotions, de ne rien dire. Et là, voilà, vous laissez parler vos sentiments, vous les laissez lire. Et ce concours, s'il perdure, c'est aussi parce que vous êtes tous là chaque année à offrir vos écrits pour le plaisir de notre lecture. Alors, félicitations à vous. Bien, bonsoir à tous. D'abord, vous remercier d'être venus si nombreux, les parents, bien sûr, ce soir. On me dit même qu'il y a de plus en plus de monde sur ce concours, c'est fantastique. Les parents, les professeurs, bien sûr, toute la communauté éducative. Et je voulais simplement aussi saluer, c'est aussi pour Delphine Baya que je suis là. Bravo à vous, et puis d'ores et déjà, à l'année prochaine. Alors, on va commencer par Juliette Kessler. Bonjour, je m'appelle Juliette Kessler, j'ai 14 ans, je suis au collège Jeanne d'Arc de Dessine en 4e B. J'ai rédigé un récit imaginaire, c'est un journal intime qui s'appelle Journal de bord. Merci beaucoup. Adam Badache, élève de 4e. Bonjour, je m'appelle Adam Badache, je suis au collège Jeanne d'Arc. Et je vais vous présenter mon récit. Mon récit parle d'un jeune garçon qui a toujours aimé le football. Et depuis tout jeune, il joue au football avec ses amis dans son village. Et une fois dans sa majorité, il est un footballeur professionnel. Mais son père l'a interrogé. Et un jour, son père il fait un accident de voiture. Et après, il y a son fils, il devient footballeur. Le président de la Lorraine. Alors, je dis d'abord bonsoir à tout le monde, bien entendu, et je remercie tous ceux qui m'ont invité ce soir à parler un petit peu de ces francophonies. J'entendais l'autre jour à la télévision, dans une émission qui est bien connue, qui s'appelle C'est dans l'air, une personne qui disait, vous savez, la francophonie, c'est complètement ringard, c'est même
ça fait rire, et c'est Morimont. Si cette personne était là ce soir, je crois qu'elle dirait, mais oui, je me suis trompé, la francophonie a des couleurs. D'ailleurs, il suffit de regarder les cheveux de Madame Bayard, on se rend compte que nous avons une variété et une vitalité qui est absolument unique. Et oui, et cette francophonie est aujourd'hui vraiment universelle, comme il a été dit tout à l'heure, elle est dans l'ensemble du monde. Et je suis toujours heureux de pouvoir me rendre dans un pays francophone. Vous savez que c'est d'autres pays que la France qui ont voulu la francophonie. Il faut le dire. À l'origine, ce sont le Niger, la Tunisie, le Sénégal et le Cambodge. Et oui, et tous ces pays, donc, ont voulu, sous la pression des ONG, de nombreuses associations, que cette francophonie, bien sûr, naisse. Et bien sûr, l'auteur, au départ, c'était César de Paul Senghor, qui a très rapidement montré l'intérêt de cette francophonie. En tout cas, ici, vous représentez cette francophonie, et je suis toujours heureux de voir que la jeunesse va relayer, car c'est sur elle que nous comptons pour l'avenir. Et c'est vrai que nous aurons, nous dit-on, plus d'un milliard de francophones dans quelques années. Plus d'un milliard. Voilà, eh bien, je suis heureux de recevoir tous ces élèves qui ont brillamment concouru, et je leur souhaite à tous bon vent, leur récit. Voilà, à tous mes félicitations, et maintenant, sans plus attendre, je donne les résultats. Alors, j'ai des diplômes d'honneur, qui sont importants. Diplôme d'honneur du meilleur récit à Emma Joadi. Emma Joadi, collège Jean-Darc, élève 6e. Une excellence à Laetitia Temla. Collège Jean-Darc, Madame Dumas. Check it.
de quelque 1 200 000 membres dans le monde, répartis dans quelques 203 pays, dans lesquels aucun Rotarien n'est un étranger. Et depuis que nous sommes Rotariens, nous découvrons jour après jour la magie du Rotary, qui fait qu'envers et contre tout, nous négligeons ce qui nous sépare pour chérir ce qui nous rassemble, afin de servir notre vie, afin de servir notre communauté, afin de servir notre pays et partager ainsi un monde meilleur dans lequel nous avons le privilège de vivre avec des personnes qui n'ont pas eu la même chance. Agir avec le Rotary, c'est changer des vies. C'est ce que le Rotary Club de Lyon-Charbonnière réalise depuis plusieurs années. Avec ce prix d'éloquence qu'il organise et qui vous permet, chère jeunesse, de vous retrouver ce soir ici à nos côtés. Agir avec le Rotary, c'est changer des vies, c'est faire des choix entre sagesse et innovation pour mener à bien des projets, un projet en l'occurrence, celui du Rotary Club de Lyon-Charbonnière, dans le respect de la dignité des bénéficiaires. Agir avec le Rotary, enfin changer des vies, c'est enfin avoir le sentiment que seul, nous ne pouvons rien, alors qu'ensemble nous pouvons tout, et découvrir qu'en aidant les autres, on se bâtit un bien-être personnel. Aider les autres, c'est enfin le Rotary Club de Lyon-Charbonnière qui a réalisé cette année, avec vous toutes et avec vous tous, cette soirée. Monsieur le Président du Conseil Général du Rhône, Monsieur le Vice-Président en charge de la coopération décentralisée, Messieurs les conseillers généraux, Madame la vice-présidente en charge de la culture du Conseil.